En cette période de fin d'année, de fête qui approche, vous êtes peut-être en manque d'inspiration pour vos idées cadeaux. Je rencontre aujourd'hui Sana Gazlan qui va peut-être pouvoir vous aider. Vous allez peut-être vous présenter afin que les gens puissent mieux voir ce que vous proposez. Revenir sur vos études, votre parcours. Sana Gazlan, gérante de la boutique Occitane de Cherbourg, place centrale. C'est une boutique qui existe depuis 2008. On était distributeur agréé de la marque Occitane et depuis un an, on est une boutique franchisée. Donc tout l'espace de vente, il est dédié aux produits de l'Occitane qui est une marque plaisir. En termes de mes études, j'ai fait des études supérieures de gestion des entreprises. Ça fait quand même 7 ans, 8 ans d'expérience dans le commerce. Comment est-ce que vous êtes retrouvée dans ce milieu des senteurs ? L'Occitane, c'est une marque que j'ai toujours aimée. J'étais consommatrice avant de la commercialiser. Arrivant dans la terre du Cotentin à Cherbourg, il n'y avait pas ces produits en vente. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir une boutique Occitane. Donc c'est un univers qui est très plaisant et très agréable. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme prestation ? On propose des produits naturels qui s'inspirent des cultures de Méditerranée, issue de l'agriculture biologique le plus souvent et garantit surtout une qualité optimale. En termes de produits, on propose toute une ligne de soins visage qui est assez connue. On va avoir aussi des parfums. L'Occitane, c'est aussi le parfumeur de la Provence. On propose aussi tout ce qui est parfum pour la maison, des bougies, des diffuseurs de parfums et aussi une gamme dédiée pour l'homme. Tout ce qui est soins de rasage, soins après rasage et parfums aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus tendance, les hommes qui prennent soin de leur corps ? C'est évident, surtout dans notre région. On a un climat qui est assez rude. D'autant plus, une peau d'homme, elle est plus épaisse. Donc, elle a besoin d'être bien entretenue et bien chouchoutée aussi. Avec la période de Noël qui approche, est-ce que vous allez mettre en place, j'en suis quasiment sûr, des coffrets cadeaux ? Mais bien sûr. Là, on change tout l'univers de la boutique. Pour Noël, on va avoir des éditions limitées. Vraiment, pour vous transporter dans la magie de Noël, on a fait un partenariat unique qui plaît énormément entre deux hommes, Olivier Bosson, le fondateur de l'Occitane, et Pierre Hermé, le Picasso de la pâtisserie française. On va proposer dans cette édition limitée une gamme envoûtante, délicate et ensoleillée et une gamme au miel mandarine qui est aussi assez fraîche et assez gourmande. Quels sont les produits les plus en vogue en ce moment ? On est plutôt sur les soins visage. On propose beaucoup de coffrets soins visage pour les fêtes, donc c'est des coffrets qui partent bien. Aussi la collection de grâce, donc tous les parfums de la collection de grâce, c'est des parfums qui sont assez délicats, assez subtils. C'est des coffrets qui partent super bien. Vous trouverez toujours le produit pour chouchouter vos proches. Est-ce qu'il y a des tendances par période dans l'année ou bien c'est des produits qui sont phares constamment ? Alors, on a des tendances, bien évidemment. Par exemple, l'été, on vend beaucoup la gamme verveine, qui est une gamme rafraîchissante, citronnée, acidulée. L'hiver, on vend beaucoup le karité parce que c'est un produit qui va protéger, qui va nourrir et surtout protéger la peau. Après, des tendances, ça dépend aussi par période. Quand la période des fêtes des mères, on est plutôt sur des parfums et des soins. Donc oui, il y a forcément des tendances par saison. Et donc là, on arrive déjà au mot de la fin. La question un peu plus fun pour conclure notre interview. Là, ça sent bon les fêtes, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Les fêtes, c'est une période magique, c'est une période plaisir. On voit la joie sur les visages de nos clients, on voit les gens qui se font plaisir. C'est un moment très convivial, on apprécie. C'est une très belle période.